de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus. Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Levez les mains. Recevez ce que vous avez venu chercher. Regarde ton voisin, dis-lui maintenant nous allons vers la gloire. Est-ce que quelqu'un est prêt? Quelle présence de Dieu, j'ai vu. Il y a des gens jusqu'à la porte d'entrée. L'Esprit de Dieu m'a dit de sortir. Et je crois qu'il a fait des grandes choses à l'extérieur. Le Christ est ressuscité. On ne sait plus où il habite. On ne sait plus où il vit. Il peut paraître quelque part et dire je vais vous rejoindre. Mais pendant qu'il va les rejoindre, il est où? Il habite où? Il est ressuscité, il a dit à cette femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon père. Mais quelques temps après, il a dit, touchez-moi. Parce que l'esprit n'a pas de chair. Pourquoi? Parce qu'il était déjà allé vers son père. Le Christ est ressuscité, il allait au ciel, il descendait sur la terre, il allait d'un coin du monde vers un autre coin. Il était ici. Écoutez, un prophète a dit, la gloire qui va descendre dans l'église du temps de la fin, elle sera telle que aucun cerveau ingénieux de Hollywood n'aurait pu imaginer la fiction de ce qui se manifestera dans l'église. Vous allez voir des chrétiens marcher dans l'espace, disparaître d'un lieu et apparaître dans un autre. Vous verrez des choses qui dépasseront même Hollywood, afin que les gens sachent que nous sommes entrés dans la dimension de l'éternité, où même les lois de la nature sont brisées. C'est la dimension de laquelle Jésus peut voir l'esprit, les esprits des hommes qui sont allés à la perfection. Ça, c'est pour les ministres de Dieu. Vous pouvez voir Élie et Moïse. C'est la dimension dans laquelle tu peux voir Paul. Tu peux voir Étienne. Les choses qui vont se passer dans l'église vont bouleverser la tête des scientifiques. C'est ce qu'on appelle la gloire des siècles à venir. Écoutez, un homme de Dieu, je finis par ici. Un homme de Dieu, un prophète, la nuit il dormait et il a une vision. My God, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Et il a vu Jésus l'apparaître dans la chambre. Et Jésus l'a frappé 5 fois à l'épaule. Pas, 5 fois. Jésus l'a lâché et Jésus sortait. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer quant à ce que tu as vu. Mais appelle mon meilleur ami, Bob Jones, c'est un prophète. Il a dit, appelle-le et lui, il va t'expliquer ce que je t'ai fait. Et le matin, le prophète appelle cet homme. Il a dit, mais homme de Dieu, il a commencé à lui poser beaucoup de questions. Et l'homme de Dieu l'a dit, il a dit, non, tu ne m'appelles pas pour ceci. Tu m'appelles parce que Jésus t'est apparu la nuit. Il t'a frappé 5 fois à l'épaule. Et il t'a dit que je devais t'expliquer ce que tu as vu. Il a eu peur. Il a dit, mais comment avez-vous vu cela? Il a dit, parce que quand Jésus veut apparaître à quelqu'un sur la terre, je vois un tourbillon dans les cieux. Et tu sais quoi? Quand Jésus te touchait, j'étais à ses côtés. Et je voyais comment il te touchait. Et cet homme de Dieu, une fois, une petite fille a été ravie au ciel. Elle a vu le trône de Dieu, elle a vu la gloire. Mais quand elle est arrivée dans une conférence, elle témoignait des choses qu'elle avait vues. Elle dit, mais ce vieux papa qui est assis là au coin, il était aux côtés de Jésus. Et cet homme, c'est ce prophète dont je vous parle. Et le prophète riait. Quand il a pris la parole, il a dit, c'est vrai,
J'étais avec Jésus au ciel quand cette fille était convoquée solennellement dans la présence de Dieu. Ah, quelle dimension! Vivre sur la terre et vivre au ciel. My God. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Dieu appelle cet homme mon meilleur ami. Et cet homme vit déjà dans la gloire. Écoutez, ainsi m'a dit le Seigneur, le jour de l'enlèvement, lorsque nous serons dans la salle des noces de l'agneau, plusieurs chrétiens ne seront pas surpris de ce qu'ils verront. Parce qu'ils y auront déjà été. Je prophétise le retour des extases, des ravissements en esprit, des expériences surnaturelles. Un homme de Dieu quittait son pays, il allait en Égypte. Et Dieu l'a dit, quand il montait dans l'avion, je veux te rencontrer aux côtés des pyramides d'Égypte. Et avant qu'il arrive au niveau des pyramides à l'avion, il a senti l'avion être secoué. Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?